Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing. Et oui, aujourd'hui on se retrouve avec un très très gros carton. C'est la dernière Prescription Lab. Je suis mais tellement triste de faire ce dernier unboxing de chez eux parce que c'était littéralement ma box préférée, ma box chouchou. Celle avec qui j'ai plus ou moins commencé, dont je suis abonnée depuis maintenant très longtemps. Bref, je suis méga, méga déçue que cette aventure s'arrête là. Et aujourd'hui, c'est un peu triste en fait que je vais faire cet unboxing parce que je me dis que ça va être le dernier. C'est fini. Donc bref, je vais couper court maintenant avant de partir dans des grands et longs discours. Mais en tout cas, voilà, c'est le dernier unboxing de... chez Prescription Lab pour la box du mois de mai. Alors, autant vous dire que là j'ai un gros carton puisque dans on avait déjà donc la box classique et en plus on pouvait choisir entre 3 ou 4 pochons différents où ils remettaient des anciens produits de chez eux, de collab, etc. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qui se cache dans le carton. Donc dans un premier temps déjà tout ce que j'ai pu malheureusement constater c'est que j'ai un produit qui a fuité dans mon carton, notamment dans mon pochon. Je sais déjà c'est quel produit, j'ai toujours le même problème avec ce produit là, dès que je l'ai reçu, tout le temps il fuitait, j'ai pu voir dans beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux que également ce produit avait fuité, littéralement carrément vidé même pour certaines, donc voilà, c'est dommage et j'ai déjà eu le problème avec ce produit là à plusieurs reprises. On va commencer avec la traditionnelle box du coup. Donc là, c'est sous forme de petites lettres et je trouve ça très très symbolique. C'est un peu une lettre d'adieu du coup. Donc voilà. Merci pour tout. Les rires, les larmes, les agendas fous, les box, les glosses, les produits partout, les parfums, les fleurs, les briefs labos, les tests, les recherches, les réveils un peu tôt, les rencontres, les shoots, les bagages à gogo, votre soutien, vos coups de gueule, vos mots doux, surtout votre beauté, votre confiance, par-dessus tout, la team PL. Voilà, donc je trouve le texte très très joli et j'ai envie de dire merci à vous, Prescription Lab, de nous avoir fait rêver toutes ces années, de nous avoir proposé une box de qualité avec des produits de qualité, même s'il y a des mois avec et des mois sans, et ben c'est le but du jeu, hein, c'est comme ça, c'est... On le sait quand on s'abonne aux box beauté, donc merci à vous, surtout. Dernier petit prescripteur du mois, dernier prescripteur tout court. Et du coup, on va lire le petit dernier édito, s'il y en a un. Merci pour tout. Pour clôturer la box Prescription Lab en beauté, la team a imaginé un coffret comme une lettre d'amour rempli de produits câlins et waouh. On vous montre? Allez, c'est parti. Déjà, le premier produit que je pioche, j'en suis extrêmement contente puisque c'est un produit de chez eux que je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Donc ça, j'en suis très 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 contente. Et en plus, c'est un produit que j'utilise matin et soir, donc double satisfaction. C'est un produit comme ceci en format vente et il s'agit du vinaigre de beauté. Un vinaigre de beauté composé de 5 ingrédients seulement, dont du vinaigre de cidre de pomme bretonne et de l'eau de pomme upcyclée. Résultat, un soin durable 100% d'origine naturelle qui réveille et purifie la peau pour un teint unifié et un grain affiné. Donc c'est à appliquer avant les soins, le matin et après. Moi je l'utilise après le démaquillage et avant les soins du coup le soir. En tout cas si c'est à la pomme. Ah, ça sent pas trop la pomme, ça a une légère odeur vinaigrée, mais je pense qu'au diffuseur ça doit pas trop se sentir. Mais ça je suis ravie parce que ça va me changer un peu de ma brume Mario Badescu que je n'arrive pas à terminer alors que j'utilise matin et soir. Et ouais, très très contente pour l'instant, ça me plaît bien. Ensuite, deuxième produit, c'est une marque que je connais déjà, c'est de la marque Uriage. Et il s'agirait d'un sérum. Alors ça me plaît parce que le dernier sérum Uriage que j'ai testé, je l'avais adoré. Oh, il est en deux... Ah bah super, je vais pas l'ouvrir, comme ça va m'éviter de... Voilà, il est en deux parties. Vous avez la pipette là et le bouchon, enfin le flacon juste à côté. Alors,
Le sérum booster HA Uriage. Ce sérum est le plus concentré en acide hyaluronique pur et naturel du marché de l'hydratation. Résultat, un effet peau de pêche sous les doigts. Et c'est vrai que c'est pas, je crois que c'est pas du tout le même que j'avais eu. Il était beaucoup plus gros, c'était un format pompe à pression, mais je l'avais adoré. Effectivement, il a un côté très hydratant, très rendu peau douce, très peau de pêche en fait. Ouais, c'est le mot, peau de pêche. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Je sais pas du tout si c'est le même. Faudrait que je vérifie, mais de toute façon, je le réutiliserai avec plaisir parce que c'est un excellent produit que j'apprécie en plus tout particulièrement. Donc ça, c'est pareil, c'est un gros gros top et je vais garder. On poursuit. Alors là, c'est un produit qui me plaît beaucoup. De 1, parce que j'adore ce type de produit. De 2, puisque c'est une marque que j'ai pas eu l'occasion de tester très souvent. On a un énorme format full size. C'est de la marque Compagnie de Provence. Et si je ne me trompe pas, il s'agit d'un gel douche. Alors, il est operculé, je ne vais pas l'ouvrir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le dégradé de couleur comme ça. Ça, je surkiffe les produits gel douche comme ça. J'adore ces produits-là. Surtout quand il y a des petites odeurs un peu sympas qui changent de l'ordinaire, j'aime beaucoup. Donc, c'est le soin douche vivifiant extra pur, la Compagnie de Provence. Formulé sans sulfate, ce soin douche est composé de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il nettoie la peau tout en douceur et se transforme en une mousse riche, facile à rincer. Ah bah ça, j'ai hâte, j'adore les gels douche. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit 4 fois, mais j'adore. Je suis très très fan des gels douche comme ça. En plus, en gros format, ça permet vraiment de tester le truc. J'ai trop hâte. Je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà en cours. Mais ouais, ça me plaît beaucoup. Marque que je connais très peu, produit que je ne connais pas, mais surtout type de produit que j'apprécie tout particulièrement. Et ensuite, un produit pour le coup qui me parle un petit peu moins, mais j'en ai régulièrement l'utilité. Donc, c'est un petit produit comme ceci, donc en format travel size, et c'est un shampoing sec de la marque Authentic Beauty Concept, donc marque que je ne connais absolument pas. Sans silicone, il rafraîchit la coiffure. Formulé avec de l'amidon de riz naturel biodégradable, il permet de créer une texture remodelable tout en apportant une protection thermique jusqu'à 230 degrés. Alors, ça, je dis que c'est le type de produit que j'apprécie pas. Non, c'est pas que je n'apprécie pas. Parce que ils me servent régulièrement. Un soir où je rentre tard du boulot, que j'ai pas la foi d'aller laver mes cheveux ou quoi, le lendemain matin, ces petits shampoings secs, je peux vous assurer que ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Hein, voilà. Donc j'en avais un de chez Fruits et je sais plus quoi, que j'ai encore mais qui se termine. Donc ça, c'est un truc que j'ai constamment dans ma salle de bain, que j'utilise régulièrement, mais ce sont pas des produits, on va dire, auxquels je m'intéresse plus que ça. Je les utilise très souvent, mais je me pose pas la question de savoir si je vais aller en racheter ou pas. Là, j'en ai parce que je les reçois dans les box, mais j'irai pas en racheter de moi-même. Mais ce sont des produits qui, au final, se sont avérés très utiles pour ma part. Donc, ouais, avec plaisir que je découvre cette marque et ce produit, parce que je ne connais pas du tout. Par contre, on a un petit échantillon toujours de la marque... Non. Est-ce que c'est la même marque ? Si, c'est toujours la même marque, Authentic Beauty Concept. Et c'est une petite eau de toilette. Alors là, je ne vais pas l'ouvrir parce que vous savez, c'est les formats avec les bâtonnets. Alors moi, ça, j'aime bien m'en mettre là, là et au niveau des poignets. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que la dernière fois que j'ai ouvert un produit comme ça en direct, je l'ai renversé. Donc là, pour le coup, je vais le faire tranquillement hors caméra pour sentir. Mais ça, moi, je prends. J'ai toujours ça dans mes sacs à main, dans mes tiroirs, partout. J'en emmène partout. Donc ça, c'est top. Ça fait découvrir de nouvelles marques, de nouveaux parfums, de nouvelles choses. Moi, je prends. J'adore ce genre de petits bidules là. C'est des petits cadeaux en plus, mais j'adore. Alors, on a plein de petits prospectus par contre en plus. Alors, celui-là, je suis pas vraiment fan, c'est un prospectus pour la FDJ, donc ça pour moi c'est non. Trop addictif, les jeux, l'argent, tout ça, je ne vous en parlerai même pas. Ensuite, on a un petit, notre petit fascicule comme ça, une petite carte. Coucou beauté, c'est la dernière box Prescription Lab où vous avez l'occasion de découvrir les produits Pelab Beauty. Notre marque de cosmétiques naturels continue son histoire. Après avoir conquis les Galeries Lafayette et les parapharmacies Monoprix, on s'installe chez Nocibé Online et dans certaines pharmacies, avec en plus une toute nouvelle gamme solaire. Pour garder ce lien qui nous a toujours unis et faire grandir la marque ensemble, continuez de suivre nos aventures sur notre Instagram et on vous offre une petite surprise. Alors, ça, ouais,
Mais le souci, c'est que les produits Paylab, je les trouve très très chers. Donc, pour le coup, j'étais bien contente de les recevoir mensuellement parce que quand on veut les racheter, généralement, c'est pas des produits qui sont tous donnés. Il y en a certains qui sont très très chers. Je vois par exemple la crème de nuit, elle est quand même à 37 euros. Donc, j'étais bien contente de la recevoir dans la box. Par contre, on a une toute autre bonne nouvelle, c'est envie de continuer votre abonnement beauté. Blissim en collaboration avec Prescription Lab, avec Paylab Beauty. L'aventure Prescription Lab se termine avec cette dernière box, mais bonne nouvelle, la marque Paylab continue. Elle a choisi la box beauté Blissim pour vous proposer une offre exclusive. Un pochon de soins full size Paylab Beauty offert avec le code Paylab-Beauty pour tout abonnement à la box Blissim de mai, juin et de l'été. Et surprise, en juillet, la box Blissim contiendra une nouveauté Paylab Beauty. Alors ça, voilà le code. Ça, je trouve ça super qu'ils se mettent en relation comme ça pour poursuivre l'aventure parce que ça va nous permettre encore de recevoir des petits produits de temps en temps et tout. Et ça, je trouve ça super cool. Donc, ça fait plaisir de voir qu'on va quand même encore recevoir des petits produits Prescription Lab de temps en temps comme ça et que c'est pas tout à fait fini. Ça me fait quand même chaud au cœur. Bah écoutez, déjà le bilan de cette petite box en elle-même du mois de mai, je l'adore. Je la trouve super sympa. On a un méga produit douche, ça je surkiffe. On a un shampoing sec, bon un peu moins. Une huile pour le... Enfin, un spray au vinaigre pour le visage. Ça c'est génial, j'adore les brumes comme ça. Et un superbe sérum d'une superbe marque. Donc, cool. Franchement cool. Et de toute façon, ça aurait pas été cool, je m'en serais pas plainte puisque c'est la dernière. Donc... Donc voilà, on fait avec ce qu'il y a, on fait avec ce qu'ils nous proposent et en plus ils nous ont gâtés puisque l'unboxing n'est pas terminé. Je poursuis donc avec le fameux petit pochon que j'ai choisi. N'hésitez pas à me dire celui que vous avez choisi, ils avaient des noms. Moi je me souviens absolument pas du nom que j'ai choisi, donc voilà. En tout cas, tout ce que je peux vous dire c'est que ça fait un peu double box du coup pour terminer, donc très joli cadeau. Premier produit, donc celui qui a fuité, c'est le Pchit Magic de chez Garancia. Donc ça m'embête parce que c'est un produit que j'ai testé. Mais je suis pas fan plus que ça en fait, des produits mousse comme ça sous la douche pour le visage. Enfin moi je les utilise essentiellement sous la douche ou avant la douche. Et j'en suis pas fan, j'ai déjà mis un temps fou à terminer celui-là. Il a une bonne odeur, il fait le taf, mais c'est pas mes produits préférés à appliquer. Donc je voulais le revendre, mais le problème c'est que ben comme le machin il était ouvert et qu'il a coulé... Il reste littéralement un fond, donc je vais l'utiliser. Je vais pas vendre un produit à moitié vide. Surtout si je le mets dans un colis puis qu'il fuit de nouveau. Donc ce serait carrément inutile et mensonger. Donc je vais l'utiliser, mais c'est pas un produit chouchou. Mais c'est pas du tout pour ça que j'ai choisi ce pochon-là, c'est pas du tout pour ce produit. Mais vous allez voir par la suite. Ensuite, parce qu'en fait dans les pochons, si vous voulez, vous avez pas mal de produits qu'on avait déjà reçus. Donc j'ai essayé de faire un maximum de tri, on va dire. Deuxième produit, c'est ce produit-là, de la marque Mira. Pareil, c'est un produit que j'ai aussi. Donc celui-là, je vais le mettre à vendre parce que je le connais, je l'ai déjà, j'en suis loin de l'avoir terminé. C'est une huile de massage pour le visage et je l'ai déjà dans ma salle de bain, donc voilà. Ça, c'est pareil, je vais m'en séparer. Vous allez me dire, mais t'as choisi une box en fait juste pour revendre tes produits? Non, je vais vous expliquer encore pourquoi. On arrive à la suite. Donc, dans celui-ci, il y avait un produit de chez Prescription Lab qui se présente comme ceci, que je ne connais pas, que je n'ai jamais reçu. C'est le masque détoxifiant argile plus charbon. Donc ça, je ne connaissais pas ce produit de chez eux, je ne l'avais jamais reçu, donc j'avais très envie de le tester. Ils nous disent que c'est un masque, qui purifie et qui détoxifie... Ah, je vais pas y arriver. Qui détoxifie... qu'il faut l'utiliser une à deux fois par semaine en couche fine sur le visage, laisser poser 10 minutes puis rincer à l'eau. Voilà, donc en gros c'est pour purifier et détoxifier la peau. Donc je connaissais pas celui-là de chez eux, donc c'était l'occasion de tester. Et le deuxième produit de chez eux également, c'est un gros pot comme ceci, c'est le gommage corps café sucre de 150 ml. Alors j'adore les gommages pour le corps et là pour le coup pareil, un produit de chez eux que je n'ai pas eu, donc je voulais aussi le tester. Donc celle qui n'aime pas le café, si vous l'avez pris, autant vous dire que vous allez être déçue puisque ça sent le café. Bon, ça sent pas fort non plus hein, tel le marc de café, mais il y a l'odeur.
Mais ça, c'est pareil, je voulais absolument tester ce gommage-là de chez eux. Et je ne le connaissais pas. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce pochon-là. C'était essentiellement pour les deux produits de chez Prescription Lab que je voulais essayer et que j'avais jamais reçu dans mes box auparavant. Donc je ne sais pas si je vais réussir à retrouver... Je vais regarder si j'arrive à retrouver le choix des pochons. Voilà, j'ai retrouvé. Donc il y avait différents pochons. Le premier, c'est le pochon solaire avec le gel douche... Non. Alors le pochon solaire, c'était avec le sorbet ensoleillant Al Progressif Pelap Beauty que j'avais déjà eu, que je n'avais pas aimé. La crème visage défense anti-tache et anti-âge Apivita. Donc ça, c'est pareil, je l'ai déjà eu. Le soin prolongateur de bronzage Exertier, je l'ai déjà eu aussi. L'eye cream à la caféine Terre de Mars, je l'ai déjà eu aussi. Le masque Terra Pearl, on l'a déjà eu dans une Prescription Lab. Et un échantillon Aquabomb Sleeping Mask, je l'ai déjà eu aussi. Donc, autant vous dire que je ne me suis pas du tout tournée vers ce pochon-là. Deuxième pochon, c'était le pochon nourrissant. Avec le masque nourrissant anti-stress Pelap Beauty, vous saviez, le bleu. Donc ça, je le connaissais déjà, je l'avais adoré, mais je l'avais déjà eu. Le Liposil Talica, je l'ai encore dans mes backups. Le soin intense cheveux Cos, ça, je l'avais eu aussi il y a un petit moment. Et le rouge à lèvres groseille Charlotte Bio, donc ça, c'est pareil. J'avais déjà reçu un rouge à lèvres de chez Charlotte Bio, donc ça ne m'intéressait pas plus que ça. Troisième pochon, c'était le pochon capillaire avec le shampoing quotidien Pelap Beauty, c'est celui que j'utilise actuellement dans ma douche. L'après-shampoing Pink Paradise, les secrets de Loli, ça, je ne les aime pas plus que ça, donc je les revends, donc je voyais pas l'intérêt de l'avoir. Le masque cheveux Nacré Biotome, c'est celui que j'utilise actuellement sous ma douche. Et le gel crème hydratant Respire que j'ai déjà testé et que j'ai déjà reçu en déjà 3 ou 4 fois. Ensuite, nous avions le fameux pochon que j'ai ici, c'est le pochon exfoliant et détox, donc avec tous les produits que je viens de vous présenter. Et le tout dernier qu'il proposait, c'était Routine Beauté, avec le shampoing Aloe et Dictam de la marque Corès, que j'ai déjà eu il y a très longtemps dans une Prescription Lab. La miniature Mademoiselle de Rochas, que j'ai déjà. Le gommage lèvres Symbiosis, que j'ai encore jamais utilisé. Le crayon à lèvres Grenadine Yolaine de Paris que j'ai déjà en multiples exemplaires. Enfin, c'était pas de cette teinte-là, mais je l'ai déjà, quoi. La lotion nettoyante eau de bambou et lait d'avoine de chez Pelab que j'ai déjà eu et j'avais fait une réaction au niveau du visage. Et encore une fois, le masque Terra Pearl que j'ai déjà. Donc voilà, en gros, c'était vraiment le seul pochon qui me convenait, où j'avais... deux produits Pelab au moins que je connaissais pas, sinon dans tous les autres pochons, en fait, c'est des produits qu'on a reçus cette année ou l'année dernière. Donc ça, c'était un peu le seul pochon que je connaissais pas, avec notamment deux produits que j'ai trop hâte de tester. Et voilà. Donc ça y est, ça en est terminé pour l'unboxing de cette Prescription Lab. Il n'y a pas de bilan à avoir sur cet unboxing, puisque c'est la dernière, je trouve, et qu'il faut rester... positif. Voilà, c'est une histoire qui s'arrête, c'est une box beauté qui s'arrête, moi ça me rend grave triste. Surtout que c'est ma box préférée, donc c'était ma box préférée du coup. Et voilà, je suis ravie de terminer sur une note positive quand même, faut le dire. Et voilà, n'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous avez choisi comme pochon, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que... Voilà, moi je suis très triste que ça s'arrête. Mais voilà, merci à eux de nous avoir envoyé ces box beauté tous les mois, même pendant le Covid, d'avoir innové, d'avoir trouvé des nouvelles marques qu'on ne connaissait pas, des nouveaux produits qu'on ne connaissait pas. Ce que je vous disais au début, il y a eu des super box, il y a eu des box beaucoup moins bien, mais c'est comme ça. Moi j'ai adoré, donc merci à eux pour tout ce qu'ils nous ont apporté et toutes les belles découvertes qu'ils ont réussi à me faire faire, en tout cas, personnellement. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va durer 40 minutes. Moi sur ce, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.